الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إخوة الإيمان, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord m'excuser pour ce grand état qui ne dépendait pas de ma volonté. Et j'ai pris qu'Allah au Subhanahu wa Ta'ala me pardonne pour ce manquement. Et je vous demande aussi de m'excuser. Ça ne dépendait vraiment pas de ma volonté parce que j'ai été pris par les embouteillages. Et je n'avais pas d'autre choix que de suivre le rythme que nous imposait cet embouteillage. Hier, nous étions en train d'étudier ensemble le hadith de Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a fait une recommandation importante, ainsi qu'à nous autres, en disant Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hier, nous avions expliqué la première partie de ce hadith, voilà la première phrase, Ittaqillaha haythu ma kunta. Et aujourd'hui nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés. Et si après vous jugez qu'on prend le deuxième hadith comme promis, on va le faire. Wallahu ilaykum barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ittaqillaha haythu ma kunta. Crains Allah où que tu sois. Nous avons expliqué ce que cela voulait dire. Nous allons parler de ses implications. Et dans la suite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Wa atbi'i sayyi'at al-hasanata tamhuha. Quand on médite bien sur ce que c'était la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les implications de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut se dire que si une personne parvient à concrétiser la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il serait impossible que cette personne tombe dans le péché. Allez, c'est un ami. Quand on a compris ce que veut dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut se dire que une personne qui parvient à concrétiser la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra plus tomber dans le péché. Allez, ça t'a. C'est pour ça que dans la suite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait suivre cette recommandation par une autre importante qui lève cet équivoque. Wa atbi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha. Et quand on médite sur les deux recommandations, on comprend que la deuxième recommandation nous indique clairement que concrétiser la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas de l'homme un ange. Quel que soit l'effort que fournira l'homme, il restera et demeurera un homme. C'est la concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas l'homme à l'abri des tentations, des péchés. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui ne parle pas sur l'effet de ses passions, tout ce qu'il dit est révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a fait comprendre que Kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, des personnes qui commettent des fautes. Haza min lawazim al-bashariyya. Le fait de commettre l'erreur, de trébucher, de tomber dans le péché, fait partie
des choses que l'on ne peut pas éviter, c'est-à-dire totalement, quel que soit l'effort que l'on fournira, parce qu'il est un homme, il va trébucher, il va commettre le péché. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir fait cette recommandation, a dit « Wa'adbi sayyiat al-hasanat tamhuha » et fait suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Pour te dire, ya Abdallah, que si tu as pris l'engagement, comme nous avons dit hier, d'emprunter la voie de la concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de fixer la de te fixer comme objectif la concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps et en tout lieu et dans tous tes projets, il ne faudrait pas que le diable t'amène à penser que comme tu as trébuché, tu n'es plus un craintif, tu n'es plus un craignant, tu ne fais plus partie de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous recommande, c'est qu'aussitôt que tu te rends compte que tu as trébuché, que tu fasses suivre ce trébuchement par une bonne action qui l'effacera. Et ça, ça fait partie de la miséricorde, de l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, après avoir fait descendre le livre, après avoir envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il aurait voulu, il aurait décidé de châtier le serviteur à chaque fois qu'il trébuchera après cela. Allez, Sakadari, il aurait été dans son droit. Allez, Sakadari, parce qu'il a fait descendre son livre comme une guidée. Un livre qui guide vers ce qu'il y a de plus juste, vers ce qu'il y a de plus droit. Il n'a pas dans le Coran, il a dit, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre le Coran sur toi pour que tu. Non, que tu sois malheureux. On ne peut pas être malheureux quand on met en pratique les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Coran guide vers ce qu'il y a de plus juste, vers ce qu'il y a de plus droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager qu'il a qualifié comme étant une miséricorde pour l'humanité tout entière. « Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Donc, si après avoir envoyé un tel livre et un tel messager, Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé de châtier le serviteur à chaque fois là, qu'il trébucherait, il aurait été dans son droit. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des actes qui effacent le péché. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à Tawba, le repentir, afin que le serviteur revienne repentant vers lui chaque fois qu'il se rendra compte qu'il a trébuché. Et ça rentre dans l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit وَأَتْبِلِ السَّيِّيَةَ الْحَسَنَةَ تَمْبُهَا. C'est-à-dire, ne pense pas que comme tu as commis le péché après t'être engagé sur la voie de la concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait de toi un pervers automatiquement. Et c'est pour ça que ça m'a toujours dit que la pire des choses en islam, ce n'est pas commettre le péché. La pire des choses en islam, ce n'est pas commettre le péché. Mais la pire des choses en islam, c'est commettre le péché, se rendre compte et continuer. Comme si de rien n'était. Parce que ce que le croyant doit faire, après s'être rendu qu'il a commis le péché, c'est revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala.
se fait suivre cette mauvaise action par une bonne qui l'effacera. وقال هنا وأتبه السيئة الحسنة تمحوها. Et fait suivre la bonne action par la mauvaise, par la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Et la bonne action la plus indiquée aux croyants, après avoir commis le péché, après qu'il ne se rende compte, après qu'il ne se rende compte qu'il a commis le péché, c'est la tauba, c'est la repentance. Parce que toutes les bonnes actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré efface les mauvaises actions, mais à condition que ce ne soit pas des grands péchés. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a dit إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, alors nous allons vous effacer, vous effacer vos péchés véniels. Donc, la condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface les grands péchés, les petits péchés, c'est que l'on à la base évite les grands péchés. Et c'est pour ça que dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit As-salawat al-khamsa wal-jum'at ila jum'at wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima baynahun iza ijtanabat al-kaba'ir. Les cinq prières, le vendredi jusqu'au vendredi, le ramadan jusqu'au ramadan, et même la umrah jusqu'à une autre umrah, sont des actes expiatoires des péchés pour celui qui évite les grands péchés. Cet texte nous indique clairement que les péchés que ces actes effacent, ce sont les péchés véniels. Quant aux grands péchés, il faut les éviter. Quand on reçoit ces gens de rappel, quand on a déjà commis les grands péchés, c'est quoi la solution? Non, quand on reçoit ce genre de rappel, quand on a déjà commis les grands péchés, c'est quoi la solution? La solution, c'est At-Tawba. At-Tawba al-Nasr. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Oh, qui avez cru, revenez repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala d'une repentance sincère, التوبة النصوح, d'une vraie repentance. Asarabukum wa asaf al-Qur'an wajiba. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne vos péchés. Wa tawba tajubu ma qablaha. Et la tawba efface ce qui la précède comme péché. Même le shirk. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dis à mes serviteurs qui ont commis du tort envers leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala efface tous les péchés, y compris le shirk. Donc, la bonne action la plus indiquée pour le croyant, après avoir commis le péché, c'est la repentance. C'est qu'il revient repentance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est quelqu'un qui a l'habitude
d'éviter les grands péchés, qui s'efforce à éviter les grands péchés, et c'est ce que nous devons de faire absolument, parce qu'on ne peut pas atteindre le degré des craignants. On ne peut pas concrétiser la crainte d'Allah au subhanahu wa ta'ala tant qu'on banalise encore les grands péchés, tant qu'on commet encore les grands péchés. Donc, lorsque le croyant se rend compte qu'il a trébuché, qu'il a commis le péché, ce qu'il se doit de faire, c'est revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala et multiplier les bonnes actions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, wa aqim as-salata tarabay an-nahar wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Accomplis la prière aux deux extrémités du jour. Et quelque temps dans la nuit, certes, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Yuhibna as-sayyi'at font partie des mauvaises actions. Les bonnes actions font partie des mauvaises actions. Et méditer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de nous rappeler cet enseignement, nous a commencé par nous ordonner de prier, d'accomplir les 5 prières obligatoires. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala wa aqim as-salat tarabay an-nahar wa zulafa min al-layl, les 5 prières entrent avant toutes les autres prières, de même que les prières surérogatoires. Et c'est pour ça que dans un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en indiquant l'immense place de la prière et la conséquence de la prière dans la vie du croyant, il a interrogé ses compagnons en disant Ara'aytum lo anna li ba'di ahadikum nahran yaghtasilu minhu khamsa marratin fi yawm hal yabqa min daradihi shay? Qalu la yabqa min daradihi shay. قال فذلك مثل صلوات الخمس يبقى الله بهن الخطايا. Il a dit à ses compagnons, voyez-vous, s'il y avait devant la porte de chacun d'entre vous une rivière dans laquelle il se lave au moins 5 fois par jour, gardera-t-il quelque chose de la saleté en lui? Ils ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est pareil pour les 5 prières. Allah subhanahu wa ta'ala efface à travers ces 5 prières les péchés. Subhanallah. Hatta l'oubou. Qala Abu Huraira radiallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ida tawadda al-abdu al-muslim ab al-mu'min. Faghasala wajhahu. خرج من وجهه كل خطيئة رآها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع آخر قطر الماء وإذا غسلت رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشى بها رواه مسلم. الحديث صحيح. Dans ce hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le serviteur fait les ablutions, lorsque le musulman ou le croyant fait les ablutions et lave son visage, tous les péchés commis par ses yeux tombent avec l'eau des ablutions jusqu'à la dernière goutte qui tombe. Et lorsqu'il lave les mains, tous les péchés commis par les mains tombent avec la dernière goutte d'eau. Et lorsqu'il lave les pieds, tous les péchés commis avec le pied tombent avec la dernière goutte d'eau. Et c'est pour ça que nous nous devons de tout faire pour apprendre la prière, pour apprendre les ablutions. Parce que
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. وَأَتْبِي سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ عَمَلُكَ هَذَا حَسَنَ شَرْعًا. Pour que tu accèdes à ce mérite, il faudrait que l'acte que tu fais suivre, l'action que tu fais suivre, yani la mauvaise action, soit qualifiée à l'islam comme une bonne œuvre. Et la bonne œuvre en islam, ce n'est pas ce que nous pensons être une bonne œuvre. Mais c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et ça, c'est un point important. Parce que généralement, nous faisons des actes Allah subhanahu wa ta'ala par espérance, mais sans toutefois suivre les enseignements relatifs à cet acte. Sans suivre l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a présenté la prière, comme nous l'avons suivi dans le verset précédemment cité, comme quelque chose qui fait partie des mauvaises actions. Allez, ça te va? De même que les ablutions. Mais dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala menace ceux qui prient. Kawaii le musalli. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leurs prières, tout en négligeant les oreilles des prières, tout en négligeant les ablutions, tout en négligeant les enseignements relatifs à la prière. Et hier nous avons rappelé le hadith du compagnon qui a prié, le prophète lui a dit hier, j'ai fait les faïna kalam tout ça, pourtant il avait prié. Et ceci nous montre l'importance de la recherche de la science, de la connaissance. Et nous indique clairement que l'adoration repose sur la science. Parce qu'il se peut qu'on fasse suivre la mauvaise action par une bonne action, ou alors par une action qu'on pense être une bonne action, alors que du point de vue islamique, cette action n'est pas bonne. Et c'est pour ça, si toute action était bonne, Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas dire Fawail lil musalli, Samahum musalloun. Allah les a qualifiés des prieurs. Et nous sommes tous d'accord que la prière légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala est une bonne action. Donc ça veut dire que, du point de vue islamique, la prière de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala menace dans ce verset n'est pas une bonne action, c'est-à-dire ce n'est pas une action qui respecte toutes les conditions du point de vue islamique. وَلِذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ. C'est pour ça que le croyant se doit d'être averti par rapport à tout ce qu'il fait. وَأَتْبِي السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ إِنْ تَهَيْنَا مِنْهَا. C'est facile de connaître le péché. Dans la plupart des cas, parce que tous les péchés ne sont pas connus de tous, il faut apprendre. Et c'est pour ça que dans le hadith des Hudayb, radiallahu anhu, il dit كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي. Les gens interrogeaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport au bien. Moi, je l'ai interrogé par rapport au mal. De peur que le mal ne m'atteigne. Celui qui ne connaît pas le mal, comment va-t-il éviter le mal? Et ça nous renvoie encore à l'école. Combien de musulmans se lancent dans des activités illicites sans même s'en rendre compte? Wal maqloub minka. Alors que c'est Dieu, ce qui est attendu de toi, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a recommandé, noble croyant,
Ce que tu fasses suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Mais quand tu ne sais même pas que l'action que tu as commis est une mauvaise action, comment tu vas la faire suivre par la bonne action alors que tu es même insouciant? Tu es plongé dans le haram alors que tu n'es même pas au courant. Vous voyez l'importance de la recherche de la science? Et c'est pour ça que chacun se doit d'avoir son enseignant, comme nous l'avons dit hier. Chez qui il apprend sa religion? Aujourd'hui, les gens trouvent souvent des excuses banales pour ce qui est de l'apprentissage. Ils disent que c'est trop cher, il n'y a pas le temps. Voilà, et la vie est dure. Ya Rabbi, Arla Madame Nikou, ou Adinouk. La chose la plus chère que tu détiens, c'est ta religion. Si elle est partie sur lui, il y aura un problème. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'adoration des ignorants? C'est-à-dire, quand je parle des ignorants ici, je parle des personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sur la base de l'ignorance. Vous connaissez le hadith d'Abi Hurayra, « Madame Yada, Paul Azur, Wal Amalati, Wal Jahla, Falaysa Lillahi Hajatun Fiyaya Ma'at'amahu wa Sharaba. » Quiconque délaisse la mauvaise parole, les actes bâtis sur la mauvaise parole, l'ignorance, les actes qui relèvent de l'ignorance, Allah n'a aucunement besoin que ce dernier ne délaisse sa nourriture et sa boisson. Parce que la religion repose sur la science. Il faut connaître ce qui est interdit pour pouvoir l'éviter. Et souvenez-vous de la définition de la taqwa donnée par Talaq ibn Habib, rahimahullah. Qala anta tuka ma'siyatillah ala nuri. Anta tuka ma'siyatallah ala nuri min Allah. La budda min al-nur, ya fi. La budda min al-nur. Il faut que ce délaissement soit basé sur la science, la lumière. طيب وأتبع السيئة الحسنة تمحها. Fais suivre la bonne action, la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Et nous avons pris l'exemple de la prière. Mais si c'est une prière qui a des problèmes, est-ce qu'on a suivi la recommandation prophétique? Si c'est une bonne action qui ne repose pas sur les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a suivi la recommandation prophétique? Là. Et c'est pour ça que nous insistons qu'il faut apprendre la religion. Et je vais prendre un exemple. Nous avons cité l'ablution par exemple. Nous avons tous entendu la définition. Non? Nous avons tous suivi le hadith et le mérite de l'ablution. Et comment est-ce que le péché tombe avec les gouttes d'eau? Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on ramène ce hadith, lorsqu'on essaie de joindre entre ce hadith et le verset, Intajtanibou kaba'ira ma tunhouna anhu kaffirakum sayyi'atikum. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous vous pardonnons les péchés véniels. À travers les actes expiatoires, il faut bien comprendre, à travers les actes expiatoires, et parmi ces actes, nous avons les ablutions. Donc, quand quelqu'un vient faire les ablutions, est-ce que entretenir la haine envers les croyants fait partie des grands péchés ou non? Ça fait partie des grands péchés. Quand quelqu'un vient faire des ablutions, il dit Bismillah. Et fait des ablutions comme il se doit. Est-ce qu'il va bénéficier ici de ce mérite? In tashkani bu kaba ira, ma tunhona nuka pera pour se ira tibou. On a kamane. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle ashuru ou on a kamane sama il mawane. Il y a des conditions et des empêchements. Parfois, le croyant remplit les conditions qui permettent d'accéder au mérite, mais sans éviter les barrières qui empêchent,
qui l'empêche d'accéder au mérite. Et voilà un exemple. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque c'est la moitié de Shaban, Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu fi akhir al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala descend vers la fin de la nuit, la troisième moitié de la nuit. Fayaghfiru li kulli al-mu'min illa mushrikin aw illa mushrikun wa mushahin. Donc, comme a dit le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend la moitié de Sha'ban. Et pardon, ici il n'y a pas un acte qui est légiféré. C'est seulement une information concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que le croyant se doit de faire, c'est se mettre dans la posture de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne cette nuit. Et parmi les personnes qui ne sont pas pardonnées, parce que dans le hadith, le prophète dit exception faite du mushrik et du mushahid. Le mushrik, vous le connaissez, l'associateur. Ou le mushahid, c'est celui qui entretient la haine envers ses frères. Subhanallah. Ou alayhi sabi mushrik. Lakin, il est à chaque mojou, wa wa al-iman. La condition est là, c'est un croyant, il n'est pas mushrik. Je ne sais pas si on comprend, il n'est pas mushrik. Walakin wujid al-mani wa huwa mada al-musha'an, l'entretien de la haine. C'est pour ça que le croyant doit méditer lorsqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Prier Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit de faire des ablutions. Et quand on fait des ablutions, qu'est-ce qu'on a? Les membres. Allez, ça fait l'aller. Taï, revenons à un autre hadith. Inna Allah la yandur ila suwarikum, wala ila ihsanikum, wala ki yandur ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas vos parures. Niveau physionomie, tu es blanc, tu es noir, Allah le savait chez Allah. Al-Ibra bi taqwa Allahi Azza wa Jal. Inna akramakum inna Allahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi vous, c'est le plus craignant. Dans le hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas nos parures, nos physionomies, notre apparence. Pourtant, quand on fait les ablutions, on lave l'apparence. Allez, ça canari. Walakin Allah yanzur ila qulubikum. Mais cependant, Allah subhanahu wa ta'ala regarde vos cœurs. Subhanallah. C'est comme si, ici, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam attirait notre attention. Quand faisant des ablutions, faites attention. Ça a tous ses mérites, mais ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala vous a légiféré de laver ce qu'il ne regarde pas, qu'en est-il de ce qu'il regarde? Vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer? Si Allah vous a légiféré de laver ce qu'il ne regarde pas, qu'en est-il de ce qu'il regarde? Est-ce que ça doit rester sale? Alors qu'il vous a légiféré de laver ce qu'il ne regarde pas, ce qui ne l'intéresse pas en vous. Mais ce qui l'intéresse, c'est le cœur. Donc quand le croyant va faire des ablutions alors qu'il a un cœur plein de haine, est-ce qu'il a compris ce qu'il est en train de faire? Quand il va faire des ablutions alors qu'il a l'idolâtrie dans son cœur, l'association à un cœur plein de chiffres, est-ce qu'il a compris? Vous voyez la conséquence de l'ignorance? C'est pour ça qu'en réalité, chaque fois que le croyant prend le couloir pour faire des ablutions, il se doit de se remettre en cause. De purifier son cœur même avant de commencer les ablutions. Parce qu'en purifiant son cœur, il va se débarrasser des grands péchés. Et en faisant les ablutions, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses petits péchés. Les petits péchés vont couler
avec des bouquets d'eau qui tombent. C'était juste un exemple pour comprendre l'importance de la connaissance. Ce n'est qu'à travers l'apprentissage qu'on peut comprendre sous ces détails. Je peux citer des exemples comme ça avec tous les actes d'adoration. Donc il faut faire attention au tarif au chevaux, au et à l'étoffir les chevaux. Les conditions peuvent être remplies sans que les empêchements ne soient dégagés. On ne va pas accéder au mérite. C'est pour ça que dans le hadith de Al-Rajul, Yudhil al-Safar, vous connaissez le hadith, Al-Rajul al-Dhani d'Atar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Fadakar al-Rajul al-Yudhil al-Safar, Ajhada, Akbara, Yamuddu yadehi ila sama, Ya Rab, Ya Rab, ila huna, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Afhamana anna shurut, Tawaffarat, شروط قبول الدعاء فالرجل مسافر ودعوة المسافر لا ترد. Ici le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la première partie du hadith nous a fait comprendre que les conditions étaient remplies, les conditions de l'acceptation de l'invocation. C'était un voyageur et le voyage fait partie des causes d'acceptation. C'était un angoissé et l'état d'angoisse fait partie des causes de l'acceptation. Amman yujib al-muttara ilada'a. Qui est celui qui répond à l'invocation de l'angoissé lorsqu'il invoque? C'est Allah. Donc Allah répond à l'angoissé. Et l'homme était angoissé. Lorsque le prophète, quand le prophète nous expose sa situation, sale à cause du voyage, les cheveux crépus, il avait levé les deux mains vers le ciel. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الله سبحانه وتعالى النوبل يا أرض lorsque le serviteur lève le deux mains de laisser ses deux mains revenir fit subhanallah. Les causes sont présentes, les conditions sont remplies. Mais son invocation n'avait pas été exaucée. Pourquoi? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووضي بالحرام فأنى يستجاب له. Sa nourriture était interdite. Maintenant qu'il faisait l'invocation, le problème c'est que sa nourriture était interdite. Sa boisson était interdite. Il avait été nourri de l'illicite. Non. Et il s'était habillé des vêtements illicites. À la fin, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Fa'anna yustajabu lah » Comment est-ce qu'on peut répondre à une telle personne? Et je vais prendre un exemple. Avec la vie courante. Imaginez-vous si, nous ne sommes pas des politiciens, hein, c'est un exemple pour faire comprendre, si le président de la République promet à tout Camerounais qui sera à Yaoundé un métier, tout Camerounais qui sera à Yaoundé demain, avant 8 heures, de lui donner un métier. Est-ce que vous pouvez lutter? Est-ce qu'un président parle comme ça? S'il fait une telle promesse, il va, normalement, il va la respecter. Que passe-t-il d'une personne qui arrive à la présidence avant même 5h du matin? La condition est remplie, non? Mais qui arrive avec un chapeau de STF, un tricot de UDC, un pantalon du MRC? Est-ce qu'il aura le métier? Non. Le problème, c'est lui ou c'est le président? C'est lui. Parce qu'en partant chez le président, il est parti avec tout ce qu'il déteste. Il est parti avec tout ce qu'il n'aime pas. Voilà. C'est juste un exemple pour faire comprendre à Chirou ou le Mawani.
Il ne suffit pas seulement de remplir les conditions, mais il faut dégager les empêchements. Il faut lever ces barrières. فَلَا بُدَّ مِنْ تَوَفُّرِ الشُّرُورِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ حَتَّى يَنَالَ الْمُسْلِمُ هَذِهِ الْأُجُورِ الْعَظِيمَةِ Afin que le croyant accède à ses mérites promis par Allah subhanahu wa ta'ala. ولعلنا ننتقل إلى شق الحديث الآخر وخالق الناس بخلق حسن. Les deux premières parties du hadith nous enseignent comment entretenir la relation qui existe entre le créateur et le serviteur. Les deux premières parties. أولا اتق الله حيث ما كنت. Crains Allah où que tu sois. Et quand tu te rends compte que tu as trébuché, fais suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Ça, ça concerne c'est un enseignement prophétique qui nous permet de savoir comment entretenir la relation qui existe entre le Créateur et la créature. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fini par nous donner une recommandation qui concerne l'entretien des relations qui existent entre les créatures. فَقَالَ وَخَالِكِ النَّاسَ بِخُلُقِ الْحَسَنِ Et adopte un bon comportement envers les hommes. Adopte un bon comportement envers les hommes. Sois une miséricorde pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui que tu prétends suivre était une miséricorde pour l'humanité tout entière. Donc si tu le suis comme il se doit, tu seras une miséricorde pour ton entourage. Et c'est à travers la concrétisation du bon comportement. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était doté d'un grand comportement. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses éloges dans le Coran en mentionnant son comportement. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ Certes, tu es doté d'un comportement immense, d'un grand comportement. Mais qu'est-ce que le bon comportement? هَذَا السُّؤَالَ الَّذِي يَطْرَحُ نَفْسُهُ C'est cette question que chacun se pose. Quand on a compris la place qu'occupe le bon comportement en islam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق Je n'ai été envoyé que pour parfaire le noble comportement. Subhanallah, إنما أدات حسن La religion de l'islam dans sa globalité c'est le bon comportement. Le bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala wa dhalika bi tahqiq at-tawhid. Et c'est à travers la concrétisation du monothéisme pur. Le bon comportement envers les semblables. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui est le plus bon en comportement. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler du suivisme absolu sans parler du bon comportement. Si quelqu'un a un mauvais comportement et prétend suivre le prophète comme il se doit, c'est un menteur. Il y a encore un problème dans son suivisme. Tant qu'on a encore des mauvais comportements, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans notre foi. Méditez bien sur le rattachement qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre le comportement et la foi. Qala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Le croyant qui a la foi la plus complète, c'est celui qui a le plus bon comportement. Ça veut dire que le comportement
et qu'une balance qui indique aux croyants son niveau de foi. Plus on a un niveau de foi élevé, plus on a un bon comportement. Mais comment faire pour avoir un bon comportement? Comment faire pour avoir un bon comportement? Qui a une idée? Comment faire pour avoir un bon comportement? Taïb. Na. Allez, comme ça. Pour avoir un bon comportement, il faut suivre les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'on entreprend. Il faut s'abandonner au test de la révélation afin que le test nous guide. C'est pour ça que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha radiallahu anha a fut interrogée par rapport au comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle fut sa réponse? Qalat kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement c'était le Coran. Comment peut-on atteindre ce niveau? Tant qu'on fait partie de ceux qui délaissent le Coran, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique les enseignements du Coran tant, quand on ne connaît même pas encore le Coran? Quand on ne lit même pas encore le Coran, quand on ne cherche même pas encore à comprendre le Coran, et regardez comment tout cela finit par se rejoindre. Tout cela renvoie à la foi. Ça a un rapport. C'est pour ça qu'en réalité, la religion, c'est un tout. Et c'est pour ça qu'Allah a dit « Ya ayyuhal ladhina amanu qulu fis-silmi kaffa » Oh, vous qui avez cru, entrez dans la religion, dans sa globalité. J'ai dit que ça finit par rejoindre le début, la foi. Ça finit par nous renvoyer à la foi. La question du comportement finit toujours par nous renvoyer à la foi. Parce que ici, à travers le hadith de Aïcha, on a compris que le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. Or, pour que nos comportements soient Coran, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on apprenne le Coran, qu'on lise le Coran comme il se doit. Et regardez donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أداة حصر. Ceux à qui nous avons donné le livre et qui le lisent comme il se doit. يتلونه حق تلاوته. Qui le lisent comme il se doit. أولئك يؤمنون به. Ceux-là sont ceux qui croient au livre. Ce n'est pas nous qui définissons la foi, c'est Allah qui définit la foi. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers la sunna qui définit la foi. Ce sont les tests de la révélation qui définissent les actes légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens, l'âme de ces actes. Allah dit que ceux à qui il a donné le livre, qui le lisent comme il se doit, ceux-là sont ceux qui croient. Vous voyez comment c'est lui qui a un mauvais comportement, un problème dans sa foi. Et Ibn Qayyim rahimahullah, il a expliqué ce que veut dire At-tilawa haqq at-tilawa. Il a dit que c'est lire le Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu des Jibril. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis aux compagnons. Ça c'est la première chose. Mais quand on finit de lire comme le prophète, comme Allah l'a descendu, comme le prophète l'a enseigné, ce n'est pas encore fini. On doit méditer.
Et quand on médite, on doit mettre en pratique. Voilà les trois étapes à traverser dans chaque verset du Coran que tu récites, ya Abdallah. Dans chaque verset du Coran que tu récites, tu dois le réciter tel que Allah l'a légiféré. Et c'est pour ça que nous devons emprunter le chemin de la recherche de la science. Wallahi, il est pratiquement impossible de s'en sortir quand on apprend la religion. Rien que la lecture, il faut que ce soit tel qu'Allah l'a descendu. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était un arabe, qui avait une langue plus légère que la nôtre, qui était plus doué en lecture, qui avait une très belle voix. Lorsque, par amour de ce noble Coran, de cette grande parole, il s'est précipité pour lire avant que Jibril ne termine, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit cela. لا تحرك به لسانك لتعجل به انتبهوا ان علينا جمعه وقرانه كان في ذي القران ربك قد سبس الله اتي ان علينا جمعه وقرانه لا يجوز لك ان تقرا الا كما انزل الله سبحانه وتعالى بس كما هو قبل الى ان ياتي لا تحرك به لسانك لتعجل به ne précipite pas ta langue, ne bouge pas ta langue par précipitation pour la mémoriser. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. C'est à nous que revient yani le rassemblement du Coran dans ton cœur, de même que sa récitation. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Pourquoi al-qira'a thumma ba'da dhalika al-tiba'a? Donc il y a même le suivisme dans la lecture. Fa idha qara'nahu, ne lis que lorsqu'on aurait lu. Pour que tu le lises tel qu'on l'a lu. Donc, il faut lire comme Allah l'a révélé. Et c'est pour ça que on n'apprend pas le Coran soi-même. On apprend le Coran chez celui qui a appris, chez celui qui a appris, chez celui qui a appris, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Jibril, jusqu'à Allah. Min bada'a wa ilayhi ya'ud. Min Allah bada'a wa ilayhi ya'ud. C'est d'Allah subhanahu wa ta'ala que le Coran a commencé, c'est sa parole. C'est lui qui l'a révélé et c'est vers lui. Ça doit remonter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut apprendre la lecture. Quand on a appris la lecture, est-ce que c'est fini? On doit méditer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun yadabbaru ayati. C'est un livre que nous avons fait descendre sur toi. C'est un livre béni que nous avons fait descendre sur toi afin qu'ils y méditent. Donc il faut méditer sur le sens des versets du Coran. Ensuite, il faut mettre en pratique. C'est pour ça que al-i'rab al-Qur'an yatanawalu hadhi al-umur thalatha. Le fait d'essayer de tourner du Coran englobe ces trois choses. Al-i'rab an qira'at al-Qur'an, wal-i'rab an tadabbur al-Qur'an, wal-i'rab an al-'amal bil-Qur'an. Le fait d'essayer de tourner de la lecture du Coran, c'est une forme de détournement. Le fait de se détourner de la méditation, c'est-à-dire une personne qui lit bien, mais qui fait partie de ceux qui se sont détournés du Coran, parce qu'il ne médite pas. Une troisième personne qui lit et médite, ça met en pratique, il fait partie de ceux qui se sont détournés du Coran. Et savez-vous, c'est la conséquence de celui qui se détourne du Coran. Comment Arad a décrit, fa inna lahu ma'ishatan ramka. ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآيات. Quiconque se détourne de mon rappel, فإن له معيشة ضنكا, il aura certes une vie serrée.
ونحشره يوم القيامة عاما يسيرا ressuscité avec le jour de la résurrection. Non, parce qu'il avait choisi de fermer ses yeux sur terre face au Coran, face à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au jazam il dit sur l'amal. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le ressusciter aveugle parce qu'il avait choisi d'être aveugle. Chaque croyant normal aspire à l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur si jamais il se retrouve dans une situation compliquée le jour de la résurrection. Allez, Sakadari, qui est celui-là qui n'espère pas bénéficier de l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si jamais il se retrouve dans une situation compliquée? Taïb. Si on dit espérer, non, de cette intercession prophétique. Alors qu'on s'est mis dans la posture de ce contre qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se plaindra le jour de la résurrection. Est-ce que c'est sérieux? Savez-vous que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se plaindra le jour de la résurrection à Allah subhanahu wa ta'ala contre sa communauté? Savez-vous la cause? قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Rappelle-toi lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira: oh Seigneur, ma communauté avait pris ce Coran comme quelque chose de délaissé. La la yatikallamu an al-yahoud wa la an al-nasara. Qala inna qawmi wa nasun yantasibuna ilayhi wa yad'una ittiba'a sunnati. C'est des personnes qui s'affilient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui prétendent suivre sa voie comme nous autres. Qui parmi nous a un attachement particulier au Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, concrétiser le bon comportement ne peut passer que par la mise en pratique des enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que finalement ce hadith nous renvoie à la connaissance. Il faut absolument emprunter le chemin de la recherche de la science. Voilà l'Afrique d'Arab al-Hak pour que les frères puissent intervenir. Allah wa ala wa alam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.